Bonjour. En ce mercredi 2 mai 2018, nous sommes aujourd'hui à Courbiac, toujours pour cette série Zoom sur que nous vous proposons depuis quelque temps maintenant. Courbiac, une des petites communes que compose donc la communauté de Fumel-Vallée du Lot. Courbiac, un petit village, une commune très dispersée, hein, vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure des différents éléments que nous allons filmer. Pour vous, une centaine d'habitants sur Courbiac. Le bourg est installé entre autres le long de la vallée du Boudouissou, cette petite rivière qui ensuite va se jeter au niveau de Pendagenais dans le Lot. Et nous allons tâcher de trouver quelques habitants pour pouvoir échanger avec eux selon la formule consacrée de Zoom sur. Nous sommes arrivés chez Chantal Lecor à la ferme du Rite et nous avons eu la surprise de découvrir des plants, de melons, de salades. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, surtout que la journée est quand même particulièrement belle. Tout à fait. Avec toute la pluie qu'on a eu ces derniers temps, c'était franchement difficile. On est au niveau des plants de salade. Vous êtes une productrice de légumes. Voilà, producteur, vrai producteur, 100% producteur. Qu'est-ce qu'un vrai producteur ? Alors, un vrai producteur, c'est celui qui plante. Et moi, après, je m'occupe de mettre en place, de planter et de récolter, de produire. Voilà. Actuellement, c'est les salades, les melons. Bien sûr, mon produit fort, c'est les melons qui arriveront, si tout va bien, fin juin. Les tomates, tout est protégé actuellement, parce qu'encore ce matin, il a fait 0 degré à Courbiac. Donc j'ai aussi des concombres, qui eux sont en serre. Ouais. Voilà. Les tomates, les melons, c'est tout du plein champ, moi. Voilà. Je rentrerai en production, si tout va bien, fin juin. Voilà. Et vous n'avez pas été trop embêté par ce début d'année un peu compliqué? Si, bien sûr, mais on s'adapte. Hein. De toute manière, il y a tous les ans quelque chose. Hein. En fait, votre métier semble simple, mais ce n'est pas du tout simple. Pas du tout simple. Vous êtes complètement tributaire du climat, ah, oui, déjà, du sang, des du temps, c'est infernal. Oui. Le temps. Alors, vous me parliez de melons, vous me parliez de salades et autres. Vous revendez ça sur les marchés? Je ne revends pas, je vends. Vous je produis et je vends, je ne revends pas, produis, et vous vendez. Voilà, j'achète mes plants que je commande à l'avance, tout le temps l'un sur l'autre, et je plante, je produis et je vends sur les marchés. Autrement, c'est tout un circuit court sur les marchés, ça fait depuis le 4 mai 84. Voilà. Ok, c'est la question voilà. que j'allais vous poser. Voilà, vous mais voilà. Donc vous avez quelques 34 ans d'expérience. Oui, voilà. Et je livre aussi les cantines du Tour et les restaurants des alentours. Mon mari est né ici. Oui. Moi, je suis née à Toufaille. Je me suis mariée. Ça va faire 40 ans que je suis mariée ici. Quand vous avez commencé en 84, c'était tout nouveau pour vous? Vous aviez déjà une expérience? Non, je n'avais pas d'expérience en légumes. Donc, j'ai essayé ici. Sur ce même champ, ouais. hein, du plant de tabac de Virginie. En 84. Oui, et le long des planches de semis de tabac, on avait semé des salades et des radis. J'ai commencé en mai 84 à Libos avec 2 caisses de salades et de radis. Les plants de tabac n'existent plus. Voilà, j'ai mis 10 ans quand même, 10 ans pour être vraiment comme on est aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, vous avez énormément travaillé pour arriver au résultat que vous avez aujourd'hui. Oui, celui qui croit que les légumes, ça pousse tout seul, comme on me dit. Non, je suis désolée, mais chez moi, ça ne pousse pas tout seul. Il y a beaucoup de travail. Mais je suis quand même très contente de mes clients. J'ai une clientèle fidèle et les gens le reconnaissent quand même, sont reconnaissants. Je vais vous dire qu'il y a 25 ans de ça, les gens étaient moins reconnaissants de notre travail. C'est
C'est mon point de vue, bien que sûr. Maintenant. Parce que maintenant, les gens sont reconnaissants. Les gens, ils me demandent sans cesse, alors les melons, ils poussent, alors les tomates, ouais. Oh là là, il n'a pas fait trop chaud, oh là là, il n'a pas fait trop froid, ils y passent. Il y a un réel engouement aujourd'hui pour tout ce qui est la nature, naturelle, parce qu'effectivement, la pression est de plus en plus forte. Oui, parce qu'il y a 25 ans de ça, ce n'était pas pareil. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Chantal. Avec plaisir. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Voilà.